J'ai rien à dire, t'es drôle, ton, t'as un casting le fun. J'ai l'impression que tu me crouses, puis j'aime ça. En fait, je te crouserais pas toi, mais le juge d'avant, il a fait référence à se faire écarter les fesses dans un truck en région. Moi, je veux juste savoir maintenant que c'est Yannick de Martineau, est-ce que je peux avoir un bon différé? Ça marche de même. Hey, Yannick? Ouais, mais d'habitude, je l'aurais parti, mais j'ai aucune idée quoi dire. J'ai... Mais merci, c'est clairement la tentative de séduction la plus agressive que j'ai vécue de ma vie. Ouais. Mais tu me fais vraiment réaliser pour vrai que mon gaydar est mauvais, parce que quand t'es rentré pis t'as fait, tu sais, quand t'as fait cette révélation-là en gag, moi, avant, je me disais, lui, c'est un vrai de vrai bum. Quand tu parlais de ton cassé au début, j'étais comme, oh, said, ouais, said no one moto. Ever, pour vrai. Mais pour de vrai, maintenant qu'il m'a invité à la sexualité, il m'a fait mes commentaires. Oui. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Pour de vrai, je trouvais vraiment que tu avais un charisme de stand-up. Tu sais, on dirait n'importe quoi que tu aurais dit, ça me tentait de l'entendre. Tu avais quelque chose juste dans ta présence qui était rafraîchissant. Là, j'ai. Puis, non, mais ça, c'est. Moi, je pense que je le fais blush, pour vrai. Non, mais plus que je parle, plus que je fais comme... Je veux juste, tu sais, avoir l'air d'être professionnel, de que ça reste dans le domaine de l'amour entre humoristes. OK. J'ai compris. C'est bien, pour vrai. Mais non, mais pour de vrai, vraiment, je... Non, mais je suis pas fait gagner, mais Yannick est pas down. J'ai compris. Moi, mon gaydar, il est très bon. Je savais que t'étais gay, là. Non. Non, mais je connaissais ton podcast sans savoir que c'était toi. Pour vrai, ton delivery est super le fun. T'as des pauses au bon moment, t'es à l'écoute du public, c'est posé, c'est le fun. Ouais, vraiment. C'est-tu la première fois que. Ben, c'est quoi ton expérience de stand-up, en fait? Moi, ça fait pas longtemps. Je suis peut-être à ma 5e scène. Là. Pour vrai? Bon, ouais. Hein. Ouais. Mais tu sais écrire, tu sais être sur une scène, tu sais parler aux gens, tu sais... Mais t'as quand même le casting d'un gars qui a l'air d'avoir un tracteur, c'est ça qui est malade! J'ai l'air d'un casting d'un gars qui a quoi? Qui a un tracteur. Ah ouais. Ben ouais, c'est comme ça ou 70s Gay Porn, ça dépend des références. Pour le design de barbe. J'en ai moins écouté de ceux-là. C'est ça. Hey, mais c'est cool. La dernière fois que trois gars straight se sont adressés à moi, un à la suite de l'autre, ils chantaient Belle de Notre-Dame de Paris au karaoké. Mais ça, c'était encore plus la musique à mes oreilles. Merci. Ben bravo pour vrai, félicitations, hâte de te revoir. Hey, Chris, t'as 5 scènes. Non, là c'est toujours lui qui le fait. On s'arrange avec Mélissa pour que tu passes à l'open mic. C'est moi qui voulais le dire. Ben dis-le, si tu vas faire l'open mic et plus de show encore. Fuck yes! Okay. Je suis down! Yes, merci! Bravo!